Phénomène de société, nouvelle folie des jeunes, le Bicross fait désormais partie de notre environnement quotidien. Il satisfait aux besoins de roule et de glisse. Le Bicrossing compte actuellement, au sein de son association française, bientôt 16 000 licenciés, près de 500 clubs, autant de terrains aménagés, organisant des compétitions de niveau régional, national et international. Dans le feu de l'action, au coude à coude, les bonnes résolutions laissent parfois trop place à l'improvisation. Départ, bosse simple, double, triple, virage, trajectoire, un entraînement à chacune de ces difficultés est indispensable pour favoriser une meilleure adaptation motrice et acquérir des automatismes corrects. Gruissant, station balnéaire du Languedoc-Roussillon, sur le littoral méditerranéen, à proximité de Narbonne. C'est à Gruissant que le premier centre national d'entraînement a été implanté à destination des débutants. Le deuxième vient de voir le jour à Ourtin dans le Médoc, près de Bordeaux, réservé aux pilotes experts. Dans ces centres, les stages sont animés par des moniteurs formés et agréés par l'Association française de Bicrossing, sous l'autorité de Michel Lalande, responsable de la formation. Une connaissance précise du vélo est la première étape vers la réussite. La vingtaine d'éléments qui le constituent laisse toute latitude pour monter son Bicross. Le cadre est fonction de la taille du pilote. Le triangle arrière plus court favorise le cabrage. Un empattement plus long offre une meilleure stabilité. La potence, un système de serrage efficace du guidon dont l'inclinaison se rapproche de la verticale. Un tube de selle droit, une selle pas trop longue, des tubes en chrome molybdène, meilleur compromis, rigidité, fiabilité, poids. Le guidon, 10 cm plus large que les épaules. Des freins au fonctionnement régulier et progressif. La pédale doit éviter tout glissement du pied, un pédalier rigide évite les pertes de puissance. Le power disc qui facilite le changement rapide des développements. Les manivelles plus longues, elles augmentent la puissance et diminuent la vélocité. Des pneus de section étroite pour diminuer les frottements. Une bande centrale qui favorise la motricité. La présence de crampons adaptés au tout-terrain.
contrairement aux pneus de freestyle utilisés sur sol lisse et qui favorisent la mobilité. À l'entraînement, pour une meilleure efficacité, le circuit est divisé en ateliers. Les pilotes sont regroupés par niveau de pratique. Des exercices progressifs leur sont proposés. Le départ, élément déterminant d'une course. Le geste doit être décomposé avec le plus grand soin. Du peu d'avance au bout de la ligne droite peut dépendre la victoire. Le vélo doit être perpendiculaire à la herse. Les mains sont dans le prolongement des bras, les poignets légèrement avancés. La plante des pieds parallèle à la manivelle a l'aplomb de l'axe de la pédale. Dans le cas présent, le pied est trop avancé, limitant les possibilités de déroulement de la cheville. Les jambes sont très légèrement fléchies pour éviter le blocage du genou. Le bassin a l'aplomb de l'arrière de la selle. La position de la tête doit permettre de voir les signaux lumineux. La projection du bassin à l'aplomb de la pédale permet une diminution de l'inertie, une poussée verticale perpendiculaire à l'axe de la manivelle et un alignement de la poussée avec la colonne vertébrale. La trajectoire du bassin doit être la plus rectiligne possible, l'élévation des épaules limitée afin de développer la poussée de la jambe vers le bas. Cette image, pourtant visuellement séduisante, est l'illustration d'un départ inefficace. Élévation du centre de gravité, élévation importante des épaules. Une partie de la poussée verticale s'est perdue, le pilote remonte et ne se projette pas vers l'avant. La jambe est en bout de course, le temps mort de la deuxième pédale en position haute est ainsi augmenté. Le mauvais départ entraîne un déséquilibre sur la roue arrière. Ce défaut qui aurait dû être éliminé lors de l'apprentissage, nous le retrouvons très accentué chez le tout jeune débutant. Les explications peuvent porter leurs fruits. Elles ne peuvent remplacer des exercices spécifiques qui mettent le pilote en situation. Cet exercice met en évidence une poussée mal orientée. La jambe en bout de course, une avancée insuffisante du bassin, ne permettent pas de pousser la pédale assez loin vers l'arrière. Ceci exclut toute possibilité d'enchaîner le deuxième coup de pédale sans temps mort. L'efficacité de l'enchaînement du deuxième coup de pédale dépend de la reproduction de la séquence du premier, qui, comme elle, commence par un recul et une projection du bassin.
Après un bon départ, l'avance prise permettra le choix de la trajectoire idéale. Autre difficulté caractéristique du bicross, le passage des bosses. Le débutant subit le relief du terrain, élévation du centre de gravité, amortissement important en sortie de bosse. La trajectoire idéale du centre de gravité doit se rapprocher le plus possible de la ligne droite. À l'entrée de la bosse, l'équilibre en cabrage limite la résistance à la progression à la seule roue arrière, ce qui n'empêche pas de conserver le centre de gravité au même niveau au sommet de la bosse. Trois temps dans le passage de la bosse. Extension, grandissement avant la bosse, flexion des jambes avec passage derrière la selle et extension des jambes après la bosse pour empêcher la chute du centre de gravité. En cabrage, le centre de gravité placé trop à l'avant entraîne inévitablement la retombée de l'avant du vélo, d'où choc avec la bosse. Hormis dans les virages où équilibre et tactique sont privilégiés, la recherche du pédalage doit être incessante. Une vitesse d'approche élevée, une trajectoire tendue sont des éléments déterminants pour le saut des obstacles. À même vitesse, une trajectoire en cloche diminue la longueur du saut. Une vitesse insuffisante conduira également à heurter le sommet de la deuxième bosse. À même hauteur de saut, la remontée par flexion des jambes permet un saut plus long. La poussée du guidon vers l'avant amène la remontée de la roue arrière. L'axe du vélo devient parallèle à la ligne de pente. Le choc à la réception sera limité.
Les virages posent un problème d'utilisation des trajectoires et un problème technique. Ralentissement, négociation du virage proprement dit, relance. Après le freinage le plus limité possible, les mouvements d'avant en arrière du corps permettent de contrôler le dérapage. L'abaissement du centre de gravité vers l'intérieur permet de lutter contre la force centrifuge. L'orientation du vélo en sortie de virage favorisera la relance. Pour bien négocier le virage, on engage une partie du corps, épaule, buste ou genou, à l'intérieur et vers le bas. Une bonne position dans le virage, avec redressement du corps en sortie, favorise la réorientation du vélo dans l'axe de la piste par cabrage de la roue avant. Pour un débutant, le problème est d'accepter le déséquilibre qu'il a tendance à vivre comme une chute. Le travail technique de cet obstacle est primordial car le virage permet de gagner des places ou d'en perdre. Cette technique mérite d'être travaillée avec le plus grand soin, au même titre que le départ. Le choix d'une trajectoire doit permettre de conserver sa vitesse et de contrôler ses adversaires. L'apprentissage des trajectoires classiques intérieures-extérieures illustre ces difficultés. Une mauvaise maîtrise des trajectoires empêche tout dépassement. Dans le cadre d'une compétition, le pilote de tête a le choix de sa trajectoire. Il peut utiliser au mieux la largeur de la piste et l'inclinaison des virages. Pour contrôler ses poursuivants, la trajectoire optimale se caractérise par une entrée dans le virage au tiers intérieur et une sortie au tiers extérieur. Le pilote de tête bloque ici le passage de trois concurrents. Pour les pilotes prisonniers du groupe, il convient de trouver une ouverture offrant une autre trajectoire, rapide et courte. La recherche d'un passage ne doit pas exclure l'efficacité de la trajectoire. Une utilisation intelligente des ouvertures peut permettre de rétablir des situations pourtant bien compromises.
Alors, pas si simple le bicross. Il nécessite des qualités physiques d'endurance, d'équilibre et de maîtrise de soi. Quoi de mieux pour les acquérir que le trial qui fait appel à l'équilibre ou l'enduro pour ses efforts longs et soutenus. Et si vous n'avez pas froid aux yeux, pourquoi ne pas vous frotter au freestyle? Bientôt, de tout cela, nous vous reparlerons.